Je tout connais qu'il y a l'île Maurice, un joli pays. Nos langues maternelles, c'est le créole et le bhojpuri. Mais nous devons faire tout du monde, tous enfants, apprendre l'anglais et le français, qui sont des langues sociales, professionnelles et internationales. 25 ans près de cela, on a fait le Lapino-Lapini. Il était en blanc-noir sur la cassette audio. Bon, il était à tâtons, mon parti n'a trop grand l'expérience. Mais quand même, il était une success story. Puis le ministère lance un concours sur ça, mon référé. Maintenant, les thèmes dedans, mon fait l'écologie. Dedans, il y a un thème social, il y a un thème éducatif, il y a un thème surtout nous la plage, comment nous accordons nous la plage, merci. Tout correct. Nous pas qu'à des choses plus. Allez, ok. Félicitations, tout ça même prix que vous gagnez là. Oui. Mais vous connaissez aujourd'hui, avec la COVID, la pandémie, et tout ben lecture, tout ben software, ben plateforme, ben apps qui sont online. Je trouve ça un peu difficile, et je pousse un peu long là. Je trouve ça un peu difficile que ça lui permet une innovation qui n'a pas déjà existé à travers ben apps, qui tout ben l'école, des petits petits jusqu'à grand, déjà permet en place. C'est-à-dire, je ne peux pas trop comprendre qui exactement innovation permet à travers Lapino et Lapini aujourd'hui. Les enfants n'est plus lire. Vous avez besoin de faire quelque chose qui est amusant, les là, les lire. Maintenant, il y a ce côté audio. Les points à ce côté audio, les points à un CD, après, ils peuvent demander leur digital. Ça veut dire que le main object pour ça, c'est pour faire l'enfant apprendre le français. Et comme on va dire, on va comme écologie, sociale, etc., etc. Ils peuvent apprendre par audio et visuel. Un élément zodi dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'interactivité. Donc, Mopan trouve sa côté interactivité, là, on va le trouver. Et c'est ça que Mopan reconnaît. Est-ce que, comment vous poussez ça dans... Dedans, il y a des questions. Il y a des questions multiple choice au niveau de l'enfant. Et ensuite, comme vous venez de dire, parce que le temps est fini. Oui. Donc, peut-être, c'est le commentaire que nous, tu peux dire, c'est innovation dans vos domaines. Oui. Les médias amènent pas mal de différences à plusieurs niveaux. Oui. Content, façon qui média ou peut délivrer, et une technique pour mettre sa attention. Oui. C'est ça, mon quoi, qui oui. potentiellement oui. vous a qu'à démontrer oui. est-ce qu'il vous produit oui. vraiment, puis mettre tout ce ben élément-là d'une façon différente, qui est capable de différencier lui avec l'autre ben produit qui existait. Alors, mon quoi, donc là, nous avons fini, peut-être ferme le dossier et nous passons. Vous voyez? Alors, avant c'était en blanc noir sur cassette. Maintenant, ce que j'ai fait, on a mis de couleur dedans, c'est en quadricromie, un gros investissement. Il y a des nouvelles chansons, des nouvelles histoires avec des questions pour développer l'intelligence de l'enfant. Alors, c'est un projet audiovisuel où l'enfant regarde, s'amuse et puis on développe. Le projet, c'est un insecte, le Black Soldier Fly, qui présente une solution durable pour la transformation des déchets organiques en aliments pour volailles et en engrais organiques pour renforcer la sécurité alimentaire de l'île Maurice. Deuxième défi que le projet peut adresser, c'est la dépendance sur l'importation de l'engrais pour la production agricole. Le troisième défi que le projet peut adresser, c'est la mauvaise gestion des déchets organiques. Le Maurice installe l'infil, c'est le manchiqueuse et il perd la saturation. Et 55% des amandes déchets là, c'est des déchets organiques. Et c'est une solution que nous pouvons proposer. C'est un insecte, comme on peut dire, le Black Soldier Fly. Fait bien là, il peut dans des déchets organiques, dans des matières organiques. Et fait 10 éflats quand il est développé en larve. Et larve là, il décompose, transforme ce déchet là en compost en seulement 5 semaines. Tandis qu'il a un système de décomposage conventionnel, il prend 3 à 4 mois. Et donc, j'ai mis sa compost là comme engrais pour la production agricole. Et ensuite de ça, une larve de 3 semaines, nous a servi comme aliment pour volailles et aussi pour une poisson dans l'aquaculture.
qui impacte les carvénins, soit sur les autres espèces qui existent à l'île Maurice ou sur l'agriculture même? Non, l'insecte-là, il se développe seulement en matière organique. Et l'avantage, c'est qu'il développe en matière organique, c'est-à-dire qu'il empêche les autres mouches qui sont nocives, qui transmettent maladies, comme les housefly, les autres blueflies. Moi, je suppose, oui, c'est 70% organic waste. Oui. Mais d'un homme, okay, combien de waste est capable de servir? Combien de waste est-ce qu'il mange tout waste, c'est-à-dire toute qualité waste, même gazon, arbres, du bois, oui, ou est-ce qu'il mange juste, disons, waste depuis la cuisine, par exemple? Oui, donc il mange waste de la cuisine, ben waste depuis le marché, et aussi de ben l'usine, de l'industrie, de l'abattoir, de ben ça, c'est beaucoup waste, ben organic waste, il est capable de donner. Dernière question, est-ce qu'ils ont fait une validation avec un potentiel client? Oh oui, les Liverpool, est-ce, oui, qu'ils sont satisfaits? Ont, pour les Liverpool Mauricien, est-ce qu'ils sont, oui, dire oui, si on a Moutou, oui, Soldier Fly, oui, oui, est-ce qu'ils ont pour acheter pour donner ça à pour le manger? Non, non, là nous ne pouvons pas acheter ça. Là nous faisons sensibilisation avec un éleveur. Qui éleveur aussi, avec une grande compagnie, qui est aussi capable d'intéresser, rentre là-dedans. Ça va l'arbre là et que nous développons ce protocole d'élevage et puis ça nous parle vers un petit éleveur ou bien une grande boîte de production de volailles que ben là qu'on va adopter ça. On travaille dans les touristes pour préparer un projet pour aider les gens qui malentendants, malvoyants. Ça applique pour Mauriciens et pour touristes aussi. Je travaille plusieurs fois avec Savan Djemon là, comme touriste guide. Donc, pour travailler avec Savan Djemon malvoyant, nous avons besoin d'une map Maurice tactile. Ce qui m'a pas une facilité pour faire, pour trouver ça à Maurice. Moi-même, je ne peux pas parler. Je servis les styles, collage, mosaïque. Et je monte une map Maurice tactile. Et il n'est pas complète. On amène ça à l'Union des Aveugles. Je donne vraiment un conseil, comment vous pouvez améliorer. Et si vous avez une expertise, vous pouvez faire des demandes aussi. Mais vous pouvez déjà travailler comme un freelance tourist guide avec plusieurs tour opérateurs. Nous pouvons nous 50 000 roupies. Qui ou plan pour capable amener ce projet-là, l'ON base, entrepreneuriat et commercial? Oui, exactement. Bon, pour continuer à améliorer mon projet, premièrement, bon, pour faire une montagne maintenant en miniature, comme la montagne du monde. La montagne que des gars, déjà fait libre, j'ai amélioré. Et bon, pour demander encore un conseil avec Mauritius Tourism Promotion Authority, comment on peut améliorer le travail. Bon, pour refaire une website, pour redemander une équipe pour organiser en cours. Parce que seul, moi, pour capable de faire libre, j'ai besoin d'une expertise. J'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin en cours pour agrandir le travail. Comment ça paraît bien innovateur? Comment elle pourrait être un produit manuel, digital, qui est poète exactement? On a Mauritian Sign Language, on a American Sign Language, on a French Sign Language. Bon, pour faire un travail, vous pouvez essayer d'améliorer ensemble pour être capable de communiquer. Parce qu'il y a une différence. Et l'IPO moderne, l'IPO non digital, l'IPO website, pareil comme un tout opérateur, mais l'IPO n'est pas un seul. Vous avez besoin du monde encore pour aider. Et mon client, il conseille moi, peine à s'approcher là à l'extérieur, même en Europe, peine. Et dans malentendu, on est séparés, malvoyants séparés, chaises roulantes, ils séparés. Moi, je vais joindre ensemble. Ça, quand tes projets là, ils passent limités à Maurice, comme on dit. On trouve ça, on est capable d'amener ça partout. Hein. Pour faire une map tactile, mon tendier est en 3D, mais je ne peux pas trouver moi aussi. Ça, moi, je fais manuellement. Pour faire une map comme ça, il est facilement pour moi, puisque des mois. Des mois, je fais étape par étape. Concentré sur malentendants et malvoyants. Et malvoyants, vous avez besoin d'une map bien spécifique, tactile. Le biodiesel, dit commercialisé dans plusieurs pays, mais quand nous quittons le global market même, dit en augmentation en dehors. Fiat, moi-même, mon cas Ferli, et d'ailleurs, mon déjà Ferli, d'une machine assez simple parce qu'ils n'ont pas besoin de belles affaires comme au gamme ingrédients, c'est juste chauffer et les former lui-même, juste qu'il m'a une séparation pour faire une séparation 10 ou 20 robinets. Il sépare mon glycérine avec mon méthanol. Il est assez simple
Et déjà servi dans, dans beaucoup de machines, et d'ailleurs, pas juste rouler, mais l'aviation, pas juste l'aviation, l'industrie maritime aussi, qui peut déjà servir ça, parce que le diesel est vraiment une catastrophe. En plus, l'inventeur même quand le diesel, qui ne fait le diesel, maintenant j'ai un diesel, mais lui-même quand il commençait, c'était avec l'huile végétale, qui lui commence donc, nous peut suivre, on peut poursuivre sa chose, à combat qui tout le monde paye, paye déjà bien. Opécos biodiesel, vous avez déjà là ailleurs. Oui. Mais quand l'innovation a aidé? Alors, innovante, c'est le fait est que le biodiesel, en plus de nous gagner travail, nous gagner pour choses, économiquement parlant, il est toujours en évolution. Par exemple, algues. Peut servir d'une troisième génération qui peut continuer pour faire de l'huile éventuellement et pour rendre sa biodiesel encore meilleur pour servir. Qui fait à Maurice ne pas le mettre en pratique vu par une grande quantité d'huile usée qu'il y a? Quel problème nous y a? Est-ce qu'il y a un problème? Nous y a bloqué quelque part? Moi, pensez comme le fameux col diesel il fait, il commence avec l'huile végétale. Mais après, l'in opté pour la facilité. Moi, je pensais que nous ici, nous pareil, nous pouvons opter pour la facilité. Mais la facilité peut nuire non seulement à la nature, mais peut nuire à nous aussi. Donc, moi, je pensais qu'il nous peut toujours continuer notre train de facilité là. Et moi, je pensais n'arriver pour changer, arrêter ça. Et il y a des gens qui sont déjà en attente de servir ça. Beaucoup de gens disent déjà, donc je me propose de servir mon biodiesel et je connais mon résultat pour positif. Et avec le temps, vous trouvez qu'il y a beaucoup de gens pour servir, pour rôder sa biodiesel là surtout. National Innovation Challenge, Innover Maurice, un rendez-vous à ne pas manquer les lundis et les jeudis. À bientôt pour d'autres idées.